was that you said? What was that you said before you called? And when I couldn't catch you for the phone, what was that you said? What was that you said? Nothing hurts this much, but I've seen the way that bodies lie, your bodies tend to go. I've been away too long, too long to be free. But you... Nous nous retrouvons évidemment, vous le savez, chaque année pour rendre hommage à l'action de Yad Vashem, cet institut international pour la mémoire de la Shoah créé en 1957. Et bien sûr aussi soutenir l'action du Comité français pour Yad Vashem, créé en 1989, dont nous saluons son président, Pierre-François Veil. C'est important, évidemment, chaque année, cette réunion, ce dîner, et aussi cet appel à votre générosité. Et c'est peut-être particulièrement important en 2022, puisque chacun le sait, il y a 80 ans, 1942 fut peut-être l'année la plus dramatique pour les Juifs de France et pour, bien sûr, les Juifs du monde entier. Alors, on ne peut pas faire de hiérarchie, mais ce fut l'année la plus noire. Et ce n'est pas pour rien que des cérémonies importantes ont été organisées au mémorial du Veldiv, où je rappelle que 13 000 personnes ont été déportées, dont un tiers d'enfants. Et puis aussi, encore récemment, et Monsieur le Ministre, vous y étiez, au camp des Mille, pour rappeler, avec le Président de la République, que, en cette année aussi, 1942, et donc en zone libre, l'État français participait aux rafles de Juifs en vue de déportation. Cette année, donc, et ces 80 ans, je crois qu'il faut le rappeler, sont évidemment de tristes mémoires. Donc, il est important que nous soyons ensemble. Je remercie bien sûr tous les participants. Nous allons entendre le président de Yad Vashem, Dany Dayan, bien sûr Pierre-François Veil. Nous sommes évidemment très honorés de recevoir Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'exprimera à la fin des prises de parole. Et bien sûr, l'ambassadrice d'Israël, que nous saluons et qui va s'exprimer dans peu de temps. Je vous propose tout d'abord de commencer par un film qui va vous résumer au fond ce qu'est Yad Vashem, comment cet institut a été créé et son action. Et puis ensuite, bien sûr, nous verrons aussi qu'est-ce qu'il fait concrètement pour prolonger la mémoire, pour transmettre la mémoire, pour transmettre cette histoire. Puisqu'évidemment, c'est la mission première de ce mémorial, d'autant plus importante qu'aujourd'hui, et nous le remarquions avant de passer à table, les survivants des camps sont de moins en moins nombreux. Ils étaient encore là, il y a peu de temps, dans ce dîner, et malheureusement, ils disparaissent. Et nous saluons d'ailleurs, évidemment, le combat et la présence de Beate et Serge Klarsfeld ici ce soir. Alors, je vous propose tout de suite de regarder ce film qui va vous rappeler ce qu'est Yad Vashem. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à Dany Dayan, qui est le président de Yad Vashem. Le film. Thank you.
I should like someone to remember that there once lived a person named David Berger. I am 20 years old. Why are they going to destroy us when everything within me yearns for life? These are the final words that I will write to you, for I am to be shot tomorrow morning at dawn. These are the voices of the murdered, 3 of the 6 million Jews whose lives were cut short by the Germans and their collaborators, who wanted not only to destroy them, but to obliterate their very memory. For over 6 decades, Yad Vashem has dedicated itself to gathering their names, piecing together the lost tapestry of the Jewish people. Half of them were collected from millions of pages of testimony of Holocaust survivors, family, neighbors, and friends of those who were murdered. Each page adds a name and another name, who they were, where they came from, where they died. People have submitted information in over 20 languages, mostly handwritten. We had to develop sophisticated search and retrieval tools to enable our experts to examine the data, to look for nicknames and related names, and to cross-reference the information. All this in order to make the information understandable and accessible to everyone who is interested in looking for information today. Over 4 million names have now been memorialized in this extraordinary book of names, now on display at the new permanent Jewish exhibition, Shoah, at the Auschwitz-Birkenau State Museum. The only book of its kind in the world, it is a monumental work with 58 volumes, 140 pages per volume, 8,000 names per page. A beam of light shines out from the binding, illuminating the names, highlighting all that was lost. 6 million Jews were murdered in the Holocaust. Nearly 2 million remain anonymous. Yet efforts continue around the clock and across the world to fill these empty pages, where they will be forever remembered. I arrived to Paris this morning, this noon actually, from the United States, so I am still a little bit with jet lag, but when I entered this magnificent salon here, it was clear to me that I am in Paris. Bonsoir, good evening, Erev Tov, Shoah survivors, le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pem Daye, Your Excellency, the Ambassador of Israel to France, Madame Yael German, dear friends of Yad Vashem and heroes of Shoah remembrance, two persons that I really feel it's a privilege I got to know, Serge and Beate Klarsfeld, my good friend, President of the Comité Français pour Yad Vashem, Pierre-François Veil, my colleagues from Yad Vashem here with me, Dr. Chaim Gertner and Miri Gross. We gather here tonight in this beautiful city, the City of Lights, in times that are anything but beautiful, in times that darkness is prevailing in many areas. Injustice, hatred, discord surround us. An actual war and bloodshed in so many regions in the world, even here in the European continent, which for decades have seemed to learn at least some of the lessons of the Second World War. A cruel, frightening war of aggression is being waged by one country against another. And without making any comparison of the magnitude of the crimes, it is appalling that 80 years after the Second World War, the same places, Lvov, Kiev, Odessa, Kharkov, are the scenes of crimes. Sadly, each side also engaged in its war of propaganda, in falsification of the past events.
Have we forgotten so soon what the survivors of the Shoah attempted to teach us? Let me quote a person I admired. Today I feel an obligation to pass on the few truths that I have learned during my time in the lowlands of the human condition than on some of its peaks. No one can experience what I experience without feeling the need to alert new generations to the dangers that can destroy their universe as they once destroyed mine. In those words, the great Samuel Pizar, alav shalom, expressed his deep, lifelong commitment to Shoah remembrance as a noble, vital, and very personal pursuit. And for that reason, I am also so glad to see among the guests of this magnificent evening, of this magnificent dinner, so many young persons, because ultimately, what we do it for them. It is no coincidence that Sam Pizar identified with Yad Vashem as the institution that could speak to the world about the Holocaust and its aftermath effectively, meaningful, accurately. Let me deviate a moment from my written speech and to tell you a story. On my first day in office as chairman of Yad Vashem in August 2021, I toured the campus of Yad Vashem. And if one of the walls of our Museum of Art, I saw a quote from a Jewish-Polish painter, Gela Zekstein, that continued to make art in the most terrible conditions of the Warsaw Ghetto in 1941, and she hid under the ground her works of art, but also something else. She put her last will and testament in Yiddish. And she wrote there, "I know I will not survive." Indeed, she didn't. She was killed in Treblinka. Her husband, her three-year-old daughter, was killed in Treblinka. And she said, "I bequeath my works of art to the Jewish Museum that will be established after the war." She didn't know it would be called Yad Vashem. Probably she didn't imagine it will be an independent Jewish state in Jerusalem. But I have no doubt that she meant Yad Vashem. That's the reason that my first decision as chairman of Yad Vashem was to put that quote in my office. This is the first thing I see every morning, the last thing I see every evening when I leave my office, and this is my source of strength to do what we do in Yad Vashem. Sam Pizar and others of his generation, like Simon Vela, Lea Shalom, knew that at Yad Vashem we have not only spoken since our establishment about the vital need to educate and transmit, éduquer and transmettre, as it's the motto of this evening, but rather have actually engaged worldwide in those vital fields of human endeavor and gained unsurpassed expertise in their implementation. At Yad Vashem, we are truly grateful for the loyal support that you have provided us as close partners and allies in our shared cause and struggle. And much has been achieved, particularly among those in our society who have accessed the remarkable, unique resources and tools that Yad Vashem has amassed, created, and disseminated over the decades. With your help and encouragement, we have become the exemplar of historical accuracy and educational integrity. For instance, Yad Vashem Victims' Name Recovery Project, we just saw a glimpse of it on the screen, which has benefited greatly from the support of our friends in France, has contributed enormously to Shoah documentation, research, and commemoration. We say in Hebrew, Lechol Ish Yeshem, every person has a name, and every victim has a name. And that includes a page of text that the child, written in a page of testimony that I encountered a few weeks ago. It was in English. It was filled by a woman named Iran Reich from Melbourne, Australia in 2007. When I read it, I almost fainted. It said, last name, Reich, R-E-I-C-H. First name, blank, no first name.
place of birth, Auschwitz, September 11, 1944. Those were the days when the Hungarian Jews were being transported and killed in Auschwitz. Place and date of death, Auschwitz, September 11, 1944. Approximate age of death, half an hour. And Arin Reich, the woman that in 2007 found the strength to fill that page of testimony, is the mother. This baby that was killed because she was Jewish, she also deserves that we make an effort to individualize her, to remember her, not only the 6 million, but each one of them. As many of you here tonight can probably attest to personally, more than I, constructive remembrance is threatened by destructive revisionist distortion from the extreme right and from the extreme left, and in some occasions even by Jews. And sadly, in the center, we all too often encounter apathy and forgetfulness. Let me say this to conclude. Antisemitism is rising. When I arrived in 2016 to the United States to serve as Israel's Consul General in New York, I thought that antisemitism would be low in my agenda. 15 Jews were murdered in the United States during the time I spent there, the 4 years I spent there in anti-Semitic attacks. In this country, almost the same number, though in a longer period. But we are not in Europe of the 1930s. No, I'm not an alarmist. We are not in Europe of the 1930s. But there is one difference between us and the generation of the 1930s. And the difference is that we have the experience that they didn't have. They probably thought, Jews and non-Jews alike, they burn books, they burn synagogues. That's too bad. But they will never burn human beings. We know they did, and if it happened once, it can happen twice. So we have to understand that the obligation, not the right, the obligation of any person of influence, Jewish or non-Jewish, leaders in particular, is to confront anti-Semitism vigorously, decisively, forcefully, and defeat it when it starts. Never wait with anti-Semitism until it grows, because we know that anti-Semitism can metastasize into monstrous dimensions. Therefore, when we say never again, if we mean that never again is not just a shallow cliché, but we mean it, my friends, never is now. We must fight back in the language and tools of now, in social media, on the campuses, within the elites and among the masses. The legacy of the victims and survivors is in our hands and on our shoulders. That's a massive responsibility, but it is also a giant privilege. And how remarkable is it to share that with you, my friends. Merci, toda rabba, from my heart, from the bottom of my heart, on behalf of us and all of us in Yad Vashem. Thank you so much. Je vous propose tout de suite de regarder au fond ce que fait Yad Vashem, c'est-à-dire principalement la transmission, la formation. Il accueille, vous le savez, de très nombreux enseignants, parce que c'est là, évidemment, c'est là qu'on transmet l'histoire de ce drame et de la Shoah. Et d'ailleurs, quand vous allez à Auschwitz, vous voyez tous ces groupes scolaires qui sont emmenés pour aller voir, évidemment, les lieux de la tragédie. Donc Yad Vashem, c'est très important. Vous allez voir comment on forme ceux qui vont transmettre la mémoire des Juifs persécutés pendant la Shoah. En 25 ans d'enseignement de la Shoah, bien sûr, j'ai commencé par une approche extrêmement basique, fondée sur une pédagogie de choc. J'avais jamais vraiment eu d'enseignement sur la Seconde Guerre mondiale en général depuis ma terminale et ma classe prépa. Je pense que j'avais envie d'approfondir mes connaissances et mon approche en général. Je dirais que j'avais une connaissance de base, quoi.
Parmi les missions essentielles de Yad Vashem et du comité français pour Yad Vashem, il y a la transmission de l'histoire de la Shoah. Nous organisons trois séminaires par an avec des professeurs de l'éducation nationale. Le but, c'est de leur donner tout d'abord des outils pédagogiques et aussi des connaissances. Nous avons bénéficié d'intervenants universitaires israéliens d'une très grande qualité. Et les conférenciers ont une très grande maîtrise de leur sujet, si bien que des choses se mettent en place aussi dans nos esprits. Et à travers les ateliers, on a pu réfléchir à d'autres manières d'enseigner la Shoah. On est mis en situation, en fait, pour essayer de voir de quelle manière on pourrait utiliser ces ressources dans le cadre de nos cours. Et on essaye dans le programme qui est d'un côté donc des connaissances académiques, donc c'est donc donner des outils pédagogiques, donc des ateliers pédagogiques que nous présentons et développons ici à Yad Vashem et présentons aux enseignants. Il y a eu une question un peu émotionnelle avec la rencontre de beaucoup de témoins ou d'enfants de témoins. Donc c'est important qu'on puisse dire que nous, on les a rencontrés et qu'on pourra le raconter aux élèves. Il y a construction d'un groupe, c'est pas inintéressant, on est quand même un groupe qui est fondé sur le même centre d'intérêt. Il y a des profs d'histoire, il y a des profs de français, il y a des philosophes. Donc ça nous permet de rencontrer nos différents points de vue sur plein de choses différentes, sur le métier d'enseignant en même temps, sur l'enseignement de l'histoire et évidemment sur la Shoah parce qu'on discute beaucoup des séminaires. Important d'être présent aujourd'hui, c'est la façon dont le lieu même traduit l'historicité finalement de cette mémoire qui est perpétuellement en construction. Et montrer que la Shoah a une histoire entre son, le passé historique qui a eu lieu, ce qui raconte et le présent en fait. Comment ça a encore un impact sur le présent? Mais être au cœur de l'histoire, on a l'impression de toucher en fait le sujet qui précisément nous intéresse. Bonsoir, et Monsieur le Ministre, Madame l'Ambassadrice, Monsieur le Président de l'Institut international Yad Vashem, Mesdames et Messieurs, chers amis, et puis, une fois n'est pas coutume, permettez-moi dans un moment d'égarement de saluer mes enfants, mes chers enfants, présents ici ce soir, et puis aussi tous les jeunes étudiants, tous les jeunes qui nous font l'honneur d'être là et qui me donnent le sentiment que cette salle se rajeunit. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous remercie, je vous l'ai dit, d'être aussi nombreux ce soir, avec nous, autour de nous, pour accompagner et soutenir notre travail, celui de la transmission et de l'éducation, pour laquelle le président de Yad Vashem, de l'Institut international de Yad Vashem, est présent. Je le salue et je vous demande de l'applaudir. Et pour lequel le ministre de l'Éducation nationale nous fait l'honneur de sa présence. Je vous remercie également de l'applaudir. Croyez-moi, à Yad Vashem, votre fidélité nous touche. Nous ne nous étions plus retrouvés depuis 2019, et je le disais, c'est cette joie de nous retrouver qui suscite ces discussions, et c'est formidable. Trois longues années pendant lesquelles, pourtant, grâce à votre soutien, même lointain, j'allais dire distanciel pour être moderne, nous avons réussi à maintenir, à poursuivre, et même, à nouveau depuis cette année, à amplifier notre activité. Grâce à vous, et je vous en remercie. Vous le savez mieux que beaucoup, personne ne ressort jamais vraiment indemne d'une visite à Yad Vashem.
Je ne suis pas ressorti indemne de Yad Vashem lors de ma première visite en 1971, et je ne ressors jamais indemne de Yad Vashem lors de toutes les visites que j'y ai faites depuis plus de 50 ans. Encore il y a 2 mois, je voudrais vous raconter ma dernière expérience. J'y ai pensé en regardant le film qui nous a été présenté sur l'Institut Yad Vashem. J'ai été invité à visiter le département des noms, celui dont un monsieur nous a présenté le fonctionnement. Et on m'a donné un exemple de comment est-ce que, depuis près de 80 ans maintenant, on retrouve les noms des victimes. Aujourd'hui, près de 4 800 000 noms retrouvés. Pour que vous ayez une petite idée, en 1971, la première fois que j'y suis allé, on avait peut-être 1 100 000, 1 200 000 noms. Et cette salle que vous avez vue avec des classeurs noirs, qui est aujourd'hui quasi pleine, eh bien en 1971, elle était quasi vide. Et on m'a montré un exemple extraordinaire. On m'a montré une tombe trouvée à Gleiwitz. Gleiwitz, pour les historiens, c'est là où la guerre a commencé, là où Hitler avait créé une fausse agression polonaise et là où le 1er septembre 1939, il a envahi la Pologne avec ce prétexte. Et c'est là où se sont terminées les marches de la mort. Là où, après 70 km ou 80 km à pied, fait d'Auschwitz-Birkenau jusqu'à Gleiwitz, les survivants sont montés dans des trains et sont partis vers les camps, vers Dora, vers Bergen-Belsen, vers Theresienstadt. En 1945, en mai ou en juin 1945, ou peut-être même en février 1945, a été creusée une tombe à Gleiwitz dans laquelle sont enterrées 10 ou 15 personnes. Et sur la plaque de marbre noir qui a été érigée quelques années plus tard, ont été portées les indications qu'avait retrouvées le prêtre qui a fait enterrer ses victimes. Et il y avait des numéros. Il n'y avait que des numéros. Et puis c'est resté comme cela, une tombe avec des numéros, pendant des années. Il y a quelques années, pas très longtemps je crois, moins de 10 ans, un groupe d'Israéliens, parmi lesquels des fonctionnaires de la Défense, ont participé aux marches de la vie, ces marches qui ont lieu au mois de janvier de chaque année en commémoration de ces marches de la mort. Des jeunes Israéliens enveloppés dans des drapeaux israéliens qui marchent. Et en passant devant cette tombe, si j'ose dire, pardonnez-moi cette expression, in the middle of nowhere, certains se sont aperçus, ont vu cette tombe, cette pierre tombale, avec des numéros. Et il leur a paru évident que ces numéros étaient des numéros de déportés. Et il leur a paru évident que c'était la seule information qu'on avait trouvée sur eux quand on avait creusé cette tombe et qu'on avait enterré les gens qui étaient là, et que par conséquent, il y avait un moyen de retrouver leur identité. Et grâce à Yad Vashem, grâce aux travaux faits par Yad Vashem, grâce à la collecte des listes qui ont été retrouvées, en France, elles ont été retrouvées par Serge Klarsfeld, qui est ici présent, qui est là avec nous ce soir, que je vous demande d'applaudir, d'acclamer. Grâce à ce travail extraordinaire fait par Yad Vashem depuis des décennies, eh bien aujourd'hui, à Gleiwitz, enfin près de Gleiwitz, toujours in the middle of nowhere, il y a à côté de cette tombe, avec des numéros, la même pierre tombale, avec les noms des personnes qu'on n'avait pas pu identifier il y a 70 ans parce qu'elles étaient mortes en chemin et qu'on ne savait pas qui c'était. La seule chose qu'on avait, et formidablement quelqu'un avait pensé à mettre ces numéros sur la tombe, eh bien on a pu retrouver leur nom. Voilà le travail que fait Yad Vashem. Voilà le travail
extraordinaire qui est conduit depuis 1953 par cet institut exceptionnel. Je vous le disais, donc, dressé à Jérusalem sur le mont du souvenir, Yad Vashem, est dédié à la mémoire de ces 6 millions de victimes de la Shoah. Aujourd'hui, près de 5 millions ont un nom. Shem, Yad, une maison. Mais depuis sa fondation, Yad Vashem honore également les justes parmi les nations. Toutes ces personnes identifiées ou restées anonymes, qui au péril de leur vie ont continué d'incarner les valeurs d'humanité et de fraternité dans une Europe revenue à la bestialité et à la sauvagerie, une Europe qui avait perdu son âme et tourné le dos à ses valeurs. Claire Chazal le disait tout à l'heure, 1942, c'était il y a 80 ans, et bien il y a 80 ans, en Europe, et pas seulement les nazis, les collaborateurs aussi, jusque aux zones libres, on arrêtait des gens, les parents, les enfants, les vieillards, et on les envoyait partir par la cheminée à Auschwitz. Et puis enfin, Yad Vashem enseigne et transmet pour que cette mémoire du passé nous préserve de nouveaux désastres. Grâce à vous, donc, depuis le début de l'année 2022, après deux années d'interruption, deux années pendant lesquelles nous avons piétiné, comme tout le monde, nos projets se sont arrêtés, puis ont repris vie doucement, mais sans pouvoir se mettre en œuvre. Nous avons enfin pu reprendre l'organisation de nos séminaires à l'Université internationale de Yad Vashem, depuis février 2022. Et cette année, nous avons emmené près de 100 enseignants, des enseignants de lycée, de collège, tous venus pour une semaine de formation et d'approfondissement de l'enseignement de la Shoah. Permettez-moi de vous le dire, je suis fier de vous. Oui, vous, vous tous. Parce que durant ces moments si difficiles, votre soutien n'a pas tremblé. Au contraire, en augmentant encore, il nous a permis de reprendre tout de suite, au plus vite, et même de renforcer notre action. Notre action surtout éducative, en offrant à plus d'enseignants encore la possibilité de suivre les séminaires de l'Université internationale de Yad Vashem à Jérusalem. Vous le savez bien sûr, cette action est fondamentale, nous devons la poursuivre. Votre soutien, aux côtés de celui indispensable et constant de la Fondation de la Mémoire, est pour nous un encouragement permanent. Déjà, pour 2023 et ensuite pour 2024, nous commençons à organiser ces prochains séminaires qui nous permettent, 3, peut-être bientôt 4 fois par an, d'accompagner des groupes d'enseignants. Et nous l'espérons aussi demain, Monsieur le Ministre, avec le soutien de votre administration, d'emmener des cadres de l'éducation nationale pour renforcer encore plus la place de l'éducation dans notre combat contre le racisme et l'antisémitisme. Je vous ai entendu, Monsieur le Ministre, plusieurs fois, je sais votre engagement sur ces sujets et je sais que le Comité français pour Yad Vashem et Yad Vashem peuvent compter sur vous. Cette année également, toujours grâce à votre soutien, nous avons pu commencer d'exploiter une chose extraordinaire. Un patrimoine d'heures d'enregistrement de voix des justes collecté dans les années 2000, pendant des années, et qui était jusque-là resté dans nos archives. Le 26 octobre dernier, la mairie de Paris que je souhaite publiquement remercier de son soutien indéfectible, Monsieur le Premier adjoint à la maire de Paris. Vous pouvez l'applaudir. La mairie de Paris a accueilli le Comité français pour Yad Vashem pour la mise en ligne officielle de notre première série de podcasts qui permettent d'entendre les voix de ces héros qui s'éteignent mais qui ne doivent pas être oubliés.
réalisé avec le soutien de grandes voix contemporaines que nous connaissons toutes. Ces podcasts font revivre ces héros de l'ombre qui nous ont sauvés, qui ont sauvé des vies aux heures sombres de notre histoire et aussi, et peut-être surtout, sauvé l'honneur de notre pays. Écoutons-les. Oui, écoutons-les avec Claire Chazal, avec Joey Starr ou avec Sophia Ram. Vas-y, Joey. Durant la Seconde Guerre mondiale, des Français, au péril de leur vie, ont sauvé des hommes, des femmes, des enfants, voués à une mort certaine parce que nés juifs. On les appelle les justes parmi les nations. Ce qui a poussé Jeanne et Marie et surtout leurs parents à accueillir Charles, c'est de l'entraide simple, j'ai l'impression, pour c'est quelque chose de normal. L'histoire de 10 d'entre eux, portée par la narration de personnalités françaises. Je suis Joey Starr. Je vais vous raconter l'histoire de Charles Buxpont, sauvé par la famille Platte-Bouzeau. Je suis Claire Chazal et je vais vous raconter le destin hors du commun de la famille Launay et de la jeune Edith. Je suis Lucie Lucas et je vais vous raconter l'histoire d'Hélène Duc. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. La Voix des Justes, une création du Comité français pour Yad Vashem, un podcast disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France. En l'honneur de ces voix, mais vous l'avez fait spontanément, mais vous allez le refaire, parce qu'elle est avec nous, vous allez remercier Claire Chazal, notre marraine éternelle, dont le soutien nous est tellement précieux. Mais ces voix, elles s'éteignent. Hier matin, le 6 décembre, lors de sa matinale sur France Culture, Guillaume Erner nous apprenait la disparition de Jacqueline Rigaud, disparue cette semaine à 97 ans. Jacqueline Rigaud, qui avait alors 17 ans, avait, avec ses parents, participé au sauvetage de tant de personnes poursuivies et menacées de déportation pour la seule raison de leurs origines. Jacqueline Rigaud n'est plus, mais grâce à ce podcast, grâce aussi au concours de Sophia Ram, la voix de Jacqueline Rigaud restera pour toujours, pour dire et raconter cette histoire qui ne doit pas être oubliée. Là encore, pardonnez-moi, mais je vais vous demander de manifester notre gratitude à l'égard de France Culture, aujourd'hui moins de 6 semaines après le lancement de ce programme, grâce à France Culture, grâce à son soutien immédiat lorsque nous leur en avons parlé, eh bien ces podcasts ont d'ores et déjà été écoutés plus de 100 000 fois. Merci France Culture. Alors, grâce à vous, dès demain, l'année prochaine et encore l'année d'après, nous poursuivrons parce que nous avons encore beaucoup de voix à faire entendre. Nous poursuivrons la fabrication de ces podcasts qui constituent autant d'outils au service de la transmission. Pour cela, au nom du Comité français pour Yad Vashem, de ses équipes de permanents et aussi de bénévoles, permanents et bénévoles auxquels je dois tant et que je vous remercie de saluer, en leur nom, je veux vous remercier à nouveau de votre effort prolongé, mais également vous dire combien il est essentiel de nous aider encore et toujours pour la poursuite de nos combats pour l'éducation et la transmission. Je vais en étonner plus d'un. Résolument moderne, nous avons imaginé les podcasts pour communiquer avec de nouveaux publics. Peut-être même demain, tenterons-nous des TikTok. Mais dès aujourd'hui, pour ne pas brider votre générosité, nous avons souhaité mettre à votre disposition, à côté des enveloppes traditionnelles que vous connaissez, celles qui portent des bons dans lesquels vous vous engagez, eh bien nous avons mobilisé QR codes disponibles sur chacun de vos tables et même des TPE qui vous seront proposés dans quelques instants. Alors n'hésitez pas, soyez généreux, apportez un soutien chaleureux aux hôtesses qui vont passer parmi vous pour recueillir le produit de votre engagement
et de votre générosité, leur sourire, surtout leur sourire, sont l'expression la plus sincère de notre gratitude. Je vous remercie. C'est l'ambassadrice d'Israël en France, Yael German, qui va s'exprimer maintenant. Et ensuite, donc, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui est notre invité d'honneur. Madame l'ambassadrice. Et après, nous poursuivrons notre dîner. Et ensuite, nous pourrons écouter, évidemment, un peu de musique grâce à deux artistes un peu exceptionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, Monsieur le président du Comité français pour Yad Vashem, cher Pierre-François, Monsieur le président de Yad Vashem Israël, cher Dani, cher Biat et Serge Klarsfeld, Monsieur le premier adjoint de la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, Monsieur le président du CRIF, cher Jonathan, Monsieur le président du Consistoire de France, cher Eli, Monsieur le directeur d'archives de Yad Vashem Jérusalem, Dr. Chaim Gertner, Madame la directrice du bureau francophone de Yad Vashem, Madame et Monsieur, chers amis, je suis très heureuse et honoreuse d'être parmi vous ce soir pour cet événement en soutien aux actions de Yad Vashem. En tant qu'Israélienne et à titre personnel, Yad Vashem revêt une signification très particulière pour moi et pour l'ensemble du peuple juif. Yad Vashem est un lieu contre l'oubli et une sépulture pour tout le disparu de la Shoah. Les souvenirs de la Shoah, la transmission de sa mémoire, sont d'une importance capitale et indispensable pour vivre le présent et pur et pour façonner les avenirs. Or, le devoir de mémoire permet de ne pas récepter ces atrocités. Le fait de connaître les barbaries qui se sont déroulées doit éclairer les esprits et forger la capacité de réflexion de jeunes générations. De tels événements tragiques ne doivent plus jamais se reproduire, car il y a encore dans la société de l'intolérance et de la haine qui reparaissent dangereusement. La recrudescence des événements antisémites en Europe et en France est très inquiétante. Il y a quelques jours encore, de tags antisémites ont été découverts dans le centre de la ville de Nice. Chers amis, lundi dernier, cet lundi, j'ai eu l'honneur d'assister au 10e anniversaire du site mémorial du Camp 2000. Dans un poignant discours, le président français, M. Emmanuel Macron, que je tiens à remercier pour son constant soutien, a appelé que seul l'enseignement peut briser la répétition de la tragédie. Monsieur le ministre de l'Éducation, je sais que vous êtes très engagé et contente qu'historien vous mesure la gravité de ces combats. Ce travail d'éducation est aussi porté par le Comité français pour Yad Vashem. Plusieurs fois par an, des délégations françaises d'enseignement d'histoire, géographie suivent une formation soutenue et de haut niveau
à l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah à Jérusalem. Ce formidable travail d'éducation se déroule aussi sur le terrain dans toute la France avec la remise de médailles de Juste parmi les nations, les tournées d'exposition et l'inauguration de lieux de mémoire avec le réseau villes et villages de Juste qui porte ce message universel de tolérance aux nouvelles générations. De nombreux élèves prennent part avec leurs professeurs à ces cérémonies. Ils prennent conscience et se questionnent sur les décisions prises par ces héros ordinaires. Enfin, je voudrais rappeler le dernier projet du Comité français pour Yad Vashem, la voix de Juste, qu'on a déjà vu, en partenariat avec Radio France. Il s'agit d'un outil pédagogique de grande qualité, véhiculement de messages à l'humanité et à la jeunesse. Bravo à tous pour ce magnifique travail. Je remercie tous les bénévoles et les personnels du Comité français pour Yad Vashem qui œuvrent toute l'année et qui sont des partenaires précieux de notre ambassade. Mesdames et messieurs, malheureusement, la campagne de délégitimation à l'encontre de l'État d'Israël ne prend pas pour seule cible le pays que je représente. Elle vise aussi à établir une confusion entre Israël et les Juifs de France. Je tiens d'ailleurs à rappeler et à remercier le Conseil de Paris et toute la ville qui ont adopté la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, IRA, qui établit le lien entre la haine d'Israël et l'antisémitisme. Mes amis du Comité français pour Yad Vashem, par votre travail remarquable, vous contribuez aussi à la lutte contre l'antisionisme et l'antisémitisme, ainsi qu'à une meilleure connaissance d'Israël. Je vous remercie. Bonsoir. Monsieur le directeur de Yad Vashem, cher Dany Dayan, Monsieur le président du Comité français de Yad Vashem, cher Pierre-François Veil, Monsieur le président du Consistoire, Madame l'ambassadrice, Monsieur le premier adjoint, cher Serge et Beat Klarsfeld, chère Annette Vievjorka, Mesdames et Messieurs, chers amis de Yad Vashem, le mémorial de Yad Vashem que j'ai visité il y a 25 ans lorsque j'étais étudiant quelques mois à l'université hébraïque est un lieu essentiel de souvenir, de recueillement et de connaissance de l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe. Le crime génocidaire de l'État nazi et des États qui consentirent à l'aider dans son projet de haine et de mort causa l'assassinat de 6 millions de Juifs. À Yad Vashem, cette histoire est réunie au travers d'archives, de témoignages et d'œuvres qui permettent de saisir son ampleur génocidaire. On n'en sort jamais indemne, comme le disait si justement à l'instant Pierre-François Veil. Yad Vashem est aussi le lieu de reconnaissance des personnes juste parmi les nations, celles et ceux qui sauvèrent des Juifs de leur propre volonté, au péril de leur vie, et en cela, le mémorial est aussi un lieu d'espoir
dans la capacité de l'homme à tendre la main, à lier sa propre humanité au destin d'autrui. Il n'est pas besoin d'insister sur la nécessité absolue d'enseigner aux enfants et aux adolescents d'aujourd'hui l'histoire du génocide, l'histoire de ceux, les bourreaux, qui le voulurent, qui le planifièrent, qui le mirent en œuvre, l'histoire aussi, bien sûr et surtout, de ses victimes, l'histoire des mondes disparus. L'histoire aussi des résistances, qui est un savoir vital pour nos jeunes à l'âge où se forment les responsabilités de chacun. En outre, les connaissances rassemblées dans ce lieu de transmission qu'est Yad Vashem se renforcent en permanence de nouvelles archives, de nouveaux travaux d'historiens qui en font un lieu vivant de la mémoire, que les plus jeunes appréhendent au travers de connaissances qui s'approfondissent au fil du temps et que leur regard renouvelle, comme le souligne votre devise, la mémoire a de l'avenir. Le caractère mondial international de la Shoah et les millions de trajectoires d'exil, de déplacements qui en résultent, rendent indispensable un lieu ouvert aux voix du monde entier. En outre, nous savons que notre connaissance des faits peut encore progresser, et son enseignement aussi. En France, nous avons vécu une année particulièrement intense sur le plan de l'histoire, sur le plan de la mémoire et dans la reconnaissance publique des crimes des nazis et de leurs affidés. Ainsi, en juillet dernier, nous avons commémoré le terrible été 1942 et la rafle du Veldiv, et le président de la République a inauguré la gare mémoriale de Pithiviers qui servit à la mise en œuvre de la déportation des Juifs de France. Et avant-hier, avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec Serge et Beat Klarsfeld, nous étions aux côtés du président de la République pour une visite du camp d'internement des Milles, près d'Aix-en-Provence, d'où 2000 Juifs, parmi lesquels de nombreux enfants, furent envoyés à la mort. Ces lieux de l'ancienne zone dite libre nous rappellent que l'État français de Pétain apporta librement son concours à ces assassinats, aidé par un climat auquel contribuèrent des marchands de haine, tel l'écrivain Brasillac, qui recommanda dans son journal antisémite de se séparer des Juifs en bloc et de ne pas garder de petits en parlant des enfants. Ces faits et ces formes d'expression aboutissent à la destruction de l'humanité et ils doivent absolument être enseignés aux plus jeunes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux utilisés sans conscience peuvent avoir un effet dévastateur dans le rapport à l'histoire en donnant accès à des discours négationnistes et à des outrages, comme l'a formulé le président de la République, qui peuvent être le prélude à des assassinats. Devant le danger de l'antisémitisme qui concerne toute la société car il nous humilie tous dans notre humanité et ouvre les vannes d'un racisme généralisé, les professeurs jouent un rôle de premier plan. L'éducation nationale est à leur côté pour les former, les soutenir au travers des programmes scolaires et dans toutes les initiatives pédagogiques permettant de faire connaître l'histoire de la Shoah et de combattre l'antisémitisme. Pour cela, nous travaillons avec toutes les institutions portant cette mémoire et cette mission de transmission, notamment avec le Mémorial de la Shoah qui forme des professeurs et accueille chaque année près de 80 000 élèves de toute la France. Nous avons également chaque année le rendez-vous du concours national de la résistance et de la déportation qui permet une participation active des lycéens à cette mémoire. Nous soutenons les professeurs qui organisent des voyages scolaires à Auschwitz, tel celui que j'ai accompagné le mois dernier. Le travail avec le mémorial de Yad Vashem s'inscrit de toute évidence dans cette perspective et je suis admiratif de la qualité des séminaires dont témoignent chaque année des professeurs issus
de toutes nos académies, dans toutes les disciplines qui reçoivent un enseignement de haut niveau à Jérusalem et en font bénéficier à leur tour leurs élèves. Ce travail commun est essentiel et je propose au comité français de Yad Vashem de se rapprocher du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse afin d'établir une convention avec mon ministère qui permettra de formaliser et de renforcer nos relations pour nos jeunes dans les établissements scolaires. Mesdames et messieurs, chers amis, alors que nous avons encore à chercher, à apprendre, à enseigner à propos de l'histoire de la Shoah, alors que de nouvelles vagues d'antisémitisme et de racisme se manifestent en Europe, notre responsabilité première est l'enseignement. Mon ministère s'engage plus que jamais à permettre ce travail des professeurs dont je salue l'opiniâtreté dans la transmission de l'histoire des violences génocidaires et dont la connaissance est indispensable à la poursuite d'un destin commun. Vous pouvez compter sur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse que je suis pour que la mémoire et l'histoire de la Shoah soient cultivées et enseignées. De cette mémoire, et de cette histoire, je suis et demeurerai, bien au-delà de mes fonctions et jusqu'à la fin de ma vie, le veilleur attentif, le lecteur concentré, le citoyen recueilli. Je vous remercie. Je vous propose d'écouter un peu de musique grâce à nos deux artistes qui sont là pour nous ce soir. La violoniste Isabelle Durin de l'Orchestre National d'Île-de-France et le pianiste Michael Ertscheid. Thank you.
Thank you.
Michael Mittenfiedel. C'est un film de l'âge d'or du cinéma yiddish des années 30. Et c'est l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est qui ont émigré ensuite aux États-Unis. Et ce fut le cas de son réalisateur, Joseph Green, qui abandonna sa terre natale dû au pogrom et qui s'installa aux États-Unis. Et c'est pour tous ces Juifs qui durent migrer vers des terres plus sereines, ou en tout cas plus propices, pour échapper au pogrom, que des réalisateurs ont eu l'idée d'apporter, grâce au film, un autre monde, en tout cas le monde d'avant. Essayer de retrouver ou de pérenniser des racines qui se perdaient pour les jeunes générations. Yidden Mittelfiedel. Marquer les esprits quelques années après la liste de Schindler. Alors, nous ne voulions peut-être pas jouer le thème de la liste, mais en tout cas l'autre thème, celui de Nicola Piovani, dans son film, dans sa fable cinématographique,
La vie est belle. Un autre réalisateur a tenu à attendre une bonne moitié de sa vie pour pouvoir tourner ce film. Il s'agit de Roman Polanski, le pianiste. Alors, il s'avère que cette musique paraît très courte dans le film. C'est une musique additionnelle qui s'intitule « Tanz, Tanz, Jedelec ». Et il se trouve qu'avec Michael Ehrscheid, nous la jouions en bis lors de précédents concerts. Et j'ai été surprise de la retrouver en prêtant attention, puisqu'il faut le savoir, Vladislav Spielmann était un spécialiste de Frédéric Chopin. Tanz, Tanz, Jedelec évoque, à mon sens, les racines juives, l'âme juive et ce monde disparu du Yiddishkeit, du Yiddishland. Mmh.
Alors bien sûr, j'ai hâte de retrouver mon bouquet. Mais il y a un dernier morceau. Il est tiré de Fiddler on the Roof, un violon sur le toit, et son titre phare, If I Were Rich, a Rich Man. Ah, si j'étais riche, dit ce père de quatre filles. C'est toute une histoire que raconte le fait... Ah, j'en connais certains qui le sont. Alors, voilà, ce film qui retrace et qui vient du Broadway, c'est un musical avant d'avoir été porté à l'écran. Je crois qu'on a passé ensemble une très belle soirée. On remercie évidemment tous nos participants et le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui nous a fait l'amitié et l'honneur de venir. Il vous reste à être généreux, bien sûr, pour Yad Vashem et le comité français pour Yad Vashem. Merci infiniment et on se retrouve évidemment l'année prochaine.